Je te remercie parce que tu m'as gardé, protégé. Je te prie pour qu'on soit concentré pendant la prière et fais aussi qu'on puisse bien apprendre sur toi et fais qu'on puisse aussi bien comprendre et retenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu as permis que tout se passe bien. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être concentré et ne pas être distrait. Et qu'on puisse aussi bien comprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Seigneur, nous te bénissons encore et te rendons grâce pour cette journée de grâce que tu as faite. Merci pour. Seigneur Dieu, le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi, viens encore nous purifier de tout péché, de tout ce qui pourrait nous empêcher de voir ta face. Seigneur, prends le contrôle de ce moment et que ce moment nous serve encore à nous rapprocher de toi davantage, à recevoir tout ce qui nous est nécessaire et surtout que nous puissions le mettre en pratique. Pour te ressembler de plus en plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, chacune de vous va entonner un chant. Vous vous retournez par là, vous allez vous mettre du côté de la table quand il faudra écrire. Wendy. Mais moi, je peux même pas tourner ma chaise. Pourquoi tu ne peux pas la tourner? Là, elle n'est pas tournée. Si, c'est que. Je peux allez, assieds-toi. Vous entonnez un chant. Wendy. Dans la sainteté, louange, 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 louange à Jésus notre roi, oh, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Je reconnais que tu peux. À toi la
victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez vu la dernière fois avec maman? Oui, Wendy. On a vu que, en fait, la bienveillance. La oui. Bienveillance, c'est que on a pris des exemples de David. Et aussi, on a appris que la bienveillance était un signe de bonté. D'accord. Et on a vu aussi d'autres choses. Oui, vous avez vu quoi, Raphaël, hein? D'autres choses, c'était quoi? On a vu aussi que la définition de la bienveillance, c'était la disposition du cœur à faire le bien. D'accord. La disposition du cœur à faire le bien. D'accord. Est-ce que Dieu fait du bien aux gens? Oui. Et quand on est un enfant de Dieu, on fait comme Dieu fait aussi. On doit être disposé à faire du bien aux gens. Est-ce que vous avez compris être disposé à faire du bien? Disposé, ça veut dire que le cœur est engagé. Voilà, il est engagé. Il ne fait pas en vrac. Il ne fait pas en murmurant. Ok? Le cœur ne doit pas être en train de murmurer. Voilà, donc il faut faire tout sans murmurer. Donc on va voir les murmures aujourd'hui. Les murmures. Alors, est-ce que murmurer c'est bien? Non. Est-ce que c'est bien murmurer? La ceinture est tombée. Tu l'as pas. Alors. Alors, dépose ça et puis on y va. Donc, le cœur bien disposé. Donc, le cœur bien disposé, ça veut dire que ce qu'on fait vient d'une attitude du cœur. C'est-à-dire que le cœur est content de le faire. D'accord? Le cœur est content d'aider les autres. Donc, on va voir déjà comment le peuple de Dieu, comment ils ont commencé à murmurer dans le désert. On va prendre Exode. Exode, vous prenez vos Bibles. Avant d'écrire, on va écrire après. Prenez d'abord les Bibles. Exode, chapitre 16. Dans Exode, c'est le quantième livre de la Bible. Deuxième. Okay. Ça fait partie des livres de qui? Oui. Oui. Ça fait partie des cinq livres de qui? Oui. Moïse. Ah oui. Parce que c'est un chant. Hein? Dans le 5 livre de Moïse.
Non. Alors, Exode 2, chapitre 16, on a dit. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. On commence après Genèse. Bon, Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Verset combien? Oui, on va prendre, je vais vous dire ça. Exode chapitre 16. Alors, on va prendre la partie du premier verset. Ok? Donc, avant de lire Exode 16, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. Gardez le doigt sur Exode, là on va revenir, mais pour mieux comprendre pourquoi on va lire Exode, on va revenir dans 1 Corinthiens chapitre 10. C'est après Romains. Romains, tu as acte, après Romains, après 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous l'avez trouvé? Acte, Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens. Verset combien? Bon. J'ai trouvé le murmuré point comme murmure quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. J'ai déjà trouvé. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, on va commencer au verset 9. Lis du verset 9 au verset 12. Ne tenons point le Christ comme le tenteur. Quelques-uns. Reprends verset 9 au verset 12. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. D'accord. Il dit ne tentons point le Christ comme certains l'ont tenté. Et qui... Vous savez c'est quoi tenter Dieu? Oui. C'est quoi? Ça veut dire par exemple. Tu veux qu'il fasse un miracle, par exemple. D'accord, très bien. Très bien, c'est-à-dire que tu fais un truc pour provoquer Dieu, pour voir juste si s'il est puissant, alors que tu sais bien qu'il est puissant, ainsi de suite, d'accord? C'est le tenter. Donc, et certains l'avaient tenté dans le désert et ils ont péri. Par les serpents. Les serpents comment? Les serpents venimeux. Brûlants. Brûlants? Les serpents avaient brûlé les Israélites parce qu'ils avaient parlé contre Dieu, d'accord? Voilà. Et après, Moïse avait élevé, ils ont crié à Moïse et Moïse a élevé un serpent et quand tu regardais le serpent, tu étais guéri. Ok? Alors, donc, on peut lire, vous voulez qu'on aille lire rapidement cette histoire-là? Oui. Où ils ont tenté Dieu, c'est dans Nombre. Donc on va revenir dans 1 Corinthiens, après on va aller dans Exode 16. Donc on va dans Nombre chapitre 21, verset 5 à 6. Nombre, c'est dans quel livre? Voilà, c'est parmi les 5 livres de Moïse. Et c'est le quantième? C'est le troisième. Le troisième, c'est Lévitique. Ah, le quatrième. Voilà, c'est ça. Donc, on a dit nombre. On a dit nombre combien? Nombre. Alors. Donc, on prend le livre des Nombres, juste pour lire l'histoire des serpents brûlants.
On a dit Nombre chapitre 21, versets 5 à 6. Nombre 21, versets 5 à 6. Chez moi, c'est intitulé Les serpents brûlants. Il y a victoire sur les Cananéens et les serpents brûlants. Dans versets 5 à 6. Moi, c'est Mort d'Aaron, le serpent d'Aaron. Oui, ou le serpent d'Aaron. Le serpent d'Aaron, c'est celui que Moïse a. A élevé pour que le peuple puisse regarder être guéri. Alors, verset 5. Wendy, tu lis. Verset 5. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Voilà. Vous avez vu? Ils se sont impatientés, ils ont été impatients et ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Ça va déjà être le début des murs. Les murmures. Vous voyez déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut entraîner les murmures quand on est impatient? Ok? Donc vous allez commencer à noter. Donne-moi ta chaise. Je vais te donner la mienne. Corinthiens chapitre 10. Wendy, tu lisais à quel verset? Verset 9. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens. Donc, le titre, c'est les murmures. Même avant de comprendre c'est quoi les murmures, on sait déjà que c'est quelque chose qui est mal devant Dieu. Voilà. Les murmures. Vous avez vu comment ça s'écrit? Comme ça se prononce. Avec un E-E-E-S à la fin. Les murmures. Papy Samuel disait que quand on murmure beaucoup, c'est pour ça qu'on reste dans les quatre murs et on ne sort pas. Les murmures. Tu écris avec une seule couleur. Les murmures et puis on va y aller. Donc, on a commencé dans 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 9 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 9 à 12. On ne change pas de couleur de stylo. 1 Corinthiens, chapitre 10, 9 à 12. On ne change pas de couleur de stylo, ça perd du temps. J'ai pas changé. Oui, je dis simplement ça, on ne change pas parce que ça perd du temps. Alors, on y va. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 à 12, on a dit il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu, c'est-à-dire faire consciemment faire consciemment C-O-N faire consciemment C-O-N-C-I E-D
deuxième, je crois, ENT. Fait consciemment. C'est un E ici. Ah ah. Donc, fait consciemment ce que Dieu n'approuve pas. Ça, c'est tenter Dieu. D'accord? C'est une définition de tenter Dieu, faire consciemment ce que Dieu n'approuve pas. Ça peut être aussi ce que nous avons dit tout à l'heure. Bon, ça revient même au même. Hein. Si on dit demander à Dieu, par exemple, ou bien faire quelque chose pour voir comment Dieu va réagir. Ça revient à la même chose. Hein. C'est juste des manières de le dire qui sont différentes. Est-ce que vous écoutez? Donc, c'est qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'il ne faut pas tenter Dieu, c'est-à-dire faire consciemment ce que Dieu n'approuve pas. Voilà. Ok. Donc, on a dit, là, on est en train de lire quel exemple, Wendy? Quel exemple on est en train de lire dans le livre de Nombres? Wendy? Quel exemple on est en train de lire dans le livre de Nombres? On parle de quoi? Le serpent d'Aïra. Dans les Israélites qui ont tenté Dieu. Les Israélites qui ont tenté Dieu. Voilà. Les Israélites ont tenté Dieu et on est en train de lire de quelle manière est-ce qu'ils ont tenté Dieu. Et là, on a dit d'aller dans Nombres, chapitre 21, verset 5 à 6. Vous notez, les Israélites ont tenté Dieu dans le désert. Nombreux, vous notez à la ligne, hein? Les Israélites ont tenté Dieu dans le désert. Nombreux 21, versets 5 à 6. Et puis on va lire et puis on va voir ce qu'on va écrire. Dans consciemment, j'ai oublié de dire, il y a un S avant le C. Hein. C'est C-O-N-S-C-I-E-N-T. Donc, on a oublié le S. Consciemment, c'est comme conscience. OK? Oui. Donc, les Israélites ont tenté Dieu. Les Israélites ont tenté Dieu. Dans le désert, Nombre 21, verset 5 à 6. Donc, on est en train de lire Nombre. Donc, ici, la Bible nous dit que les Israélites se sont impatientés. Donc, ils ont manqué de patience et c'est ça qui les a amenés à parler contre Dieu et contre Moïse. Est-ce que c'est bien de parler contre Dieu? Et contre son serviteur. Non. Donc, et qu'est-ce qui les a conduits justement à faire ce que Dieu n'approuve pas consciemment? Oui. Parce que ils ont. En fait, En fait, ils. On vient de le dire. Ah, je sais, c'est parce qu'en fait, ils étaient tellement impatients que... Voilà. Donc, on va noter, vous avez noté un nombre déjà? Oui. Les Israélites ont tenté Dieu dans le désert, Nombre 21, verset 5 à 6. On va noter l'impatience conduit au murmure. Donc, si on est impatient... On n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu, on sera conduit à murmurer. Donc, la principale cause, voilà, on peut noter ça comme ça. La principale cause des murmures, c'est l'impatience. Ou bien l'impatience est la principale cause des murmures. OK? L'impatience est la principale cause des murmures. Mm-hmm.
la ligne. C'est ça, non? C'est bon. L'impatience est la principale cause des murmures. Donc, il ne faut pas être impatient. Voilà. Donc, quand on est impatient, donc on n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu. C'est ça, être impatient. OK? On n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu. Notons ça. Être impatient, c'est ne pas être prêt à attendre que Dieu intervienne. Voilà, de manière générale, on peut dire ça comme ça. Être impatient, c'est ne pas être impatient, c'est ne pas attendre, c'est ne pas être prêt à attendre. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Être impatient, c'est ne... Attends, qu'est-ce qu'on a dit? Être impatient, voilà. C'est ne pas être prêt à attendre. Voilà. Être impatient, c'est ne pas être prêt à attendre que Dieu intervienne. Voilà, on va dire ça comme ça. Être impatient, c'est ne pas être prêt à attendre que Dieu intervienne. OK? Oui. Est-ce qu'on a le droit de... Avec grand D, c'est grand D, grand D. On parle du seul Dieu unique qui existe, le créateur du ciel et de la terre. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y en a pas deux comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on écrit avec grand D. C'est bon? On continue, on se concentre. Restons concentrés. On ne se disperse pas. Alors. Donc, on a dit être impatient. C'est ne pas être prêt à attendre le temps de Dieu. Ou bien que Dieu intervienne. Voilà, c'est la même chose. OK? Donc, la principale, on a dit que l'impatience est la principale cause de des murs. Des murmures. Voilà. Donc, si je ne suis pas patiente pour que Dieu change Raphaëlla, je vais murmurer, ok? Je vais commencer à murmurer. Si Raphaëlla n'agit pas comme je veux et que je ne suis pas patient, j'ai prié pour que Dieu change Raphaëlla pour qu'elle agisse bien. Si elle agit mal, je prends un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, je vais commencer à murmurer, d'accord? Quand elle va mal agir, je vais murmurer. Parce que je ne suis pas patient pour attendre que Dieu intervienne pour la changer. D'accord? C'est un exemple. C'est ça qui conduit à murmurer. L'impatience. OK? Est-ce que vous avez tout noté? Oui. Tu as tout noté, Wendy? Bon, on retourne dans 1 Corinthiens, on retourne dans Nombre, chapitre 21. On a vu qu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Donc, on revient dans Nombre. Raphaëlla, tu vas poursuivre la lecture. Donc, Nombre, on a dit que le peuple s'impatienta. Donc, on a ici une première cause de murmure. Donc, et comme ils se sont impatientés, alors, c'est-à-dire que ça a pour conséquence, d'accord, qu'ils vont parler contre Dieu. C'est-à-dire, ils vont pécher, en fait. Ils vont faire consciemment quelque chose qui est mauvais. OK? Allons-y. Ils vont parler contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? D'accord. Donc, pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Le désert. Vous avez lu l'histoire des Hébreux, la délivrance des Hébreux dans le désert, comment Dieu les a délivrés.
en faisant des prodiges et des miracles pour qu'ils sortent de là. Est-ce que Dieu peut venir les délivrer comme ça pour les amener mourir dans le désert? Non. Voilà. Donc, parfois, dans nos propres situations, nous pouvons être dans une difficulté. Nous prions pour que Dieu intervienne. Dieu va venir, il va nous sortir d'une certaine situation. Et quand nous serons sortis de cette situation, si devant, par la suite, nous rencontrons une difficulté plus importante, on va commencer à dire, c'était mieux que Dieu me laisse encore là où j'étais avant. Vous voyez comment ce que les Israélites, la manière dont ils ont agi, c'est aussi de la même manière que parfois nous agissons aujourd'hui. Ok? Ou on a déjà dit, Dieu merci, par exemple, on a prié pour que Dieu nous guérisse de quelque chose. On a dit, Dieu merci parce que tu m'as guéri, je vois le changement. Et après, si ça recommence à me faire un peu mal, au lieu de confesser et dire, toi, mal, je ne te considère pas parce que je sais que Dieu m'a déjà guéri et tu viens pour me tromper, je vais dire, est-ce que Dieu m'a vraiment guéri? Est-ce que c'était même vrai? Vous voyez? On murmure maintenant alors que nous avons déjà dit merci au Seigneur et ça c'est mal devant Dieu. D'accord? Donc, ici, ils ont tout de suite oublié ce que Dieu a fait et ils disent que pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Vous voyez, il y a une attitude. Accusation. Une accusation. Ils accusent Dieu et Moïse. De les avoir sortis du pays d'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Généralement, dans les murmures, il y a des accusations qui ne sont pas justifiées. Vous notez. Donc, ça fait, il y a beaucoup de péchés qui sont dans les murmures. Ok? Généralement, dans les murmures, il y a le péché de l'accusation injustifié. D'accord? Donc, on accuse quelqu'un alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez comment un péché peut entraîner beaucoup d'autres péchés? On est impatient, ça nous entraîne à murmurer et généralement, les murmures sont des mauvaises paroles. Dans ces paroles-là, il y a des péchés. D'accord? Et un des péchés qu'il y a dans les mauvaises paroles des murmures, ce sont des accusations injustifiées. Et tout ça, ce sont des péchés qui sont devant Dieu. D'accord? Et vous savez bien que quand on a péché devant Dieu, si on prie, Dieu ne nous écoute pas. C'est vrai? On va lire ça. C'est vrai. Donc si on demande pardon à Dieu, Si on n'a pas demandé pardon, ou si on pêche volontairement, sachant qu'après on va aller demander pardon à Dieu, il ne nous écoute pas. Parce que là, on est en train de le tenter. Si tu es en train de faire quelque chose exprès, c'est-à-dire consciemment, tu sais que c'est mal devant Dieu, mais si tu le fais parce que tu sais que tu vas aller demander pardon à Dieu et que Dieu va accepter, ça tu es en train de le tenter. Mais si tu pêches accidentellement, c'est-à-dire tu n'as pas fait exprès, ou bien voilà, c'est arrivé subitement, tu étais en colère ou quelque chose comme ça et tu demandes pardon à Dieu, c'est différent. Mais si tu vas faire quelque chose exprès et tu sais que tu vas demander pardon à Dieu, tu es en train de tenter Dieu. Bon, notons d'abord, sinon on va perdre le fil. Qu'est-ce qu'on a dit? Généralement, dans les murmures, il y a des accusations injustifiées. Voilà. Moi, j'ai écrit, généralement, les murmures entraînent les accusations. Voilà, les accusations injustifiées. Donc, c'est un péché, hein? Vous mettez entre parenthèses, c'est un péché. Les accusations injustifiées, c'est un péché. Donc, si tu te lèves là, tu vas dire à maman, Raphaëlla m'a piétiné et ce n'est pas vrai.
ou c'est une accusation injustifiée, c'est un péché devant Dieu. Ok? Déjà, il y a le péché certainement du mensonge. Et en plus, c'est une accusation injustifiée. Ok? Voilà. Donc, dans les murmures, il y a le péché des accusations ou bien contient des accusations injustifiantes. Entre parenthèses, c'est un péché. Oui. Oui, je voulais dire que, mais par exemple, si vraiment on est vraiment pris d'une colère parce que quelqu'un les a fait une chose vraiment très grave, oui. Et que par exemple, sans faire exprès, une personne, je sais pas si, par exemple, on prend une personne qui est vraiment très en colère parce qu'une personne, une autre personne lui a fait quelque chose de grave, est-ce que si la personne qui est en colère le tue, est-ce que Dieu il va pardonner ça? On a bien, là on parle des péchés conscients. Si quelqu'un se lève ici et dit « je m'en vais tuer une personne là-bas », ça c'est un péché conscient. Et qu'il il est un enfant de Dieu, il sait bien que c'est mal, tout ça c'est conscient. Là on parle des péchés conscients. On ne dit pas « il était en colère, il n'a pas fait exprès, il a tué quelqu'un », ça c'est différent. Comme ça a pu arriver à Moïse ou bien ainsi de suite. D'accord? Donc là on parle des péchés conscients. On le fait consciemment. Donc, où est-ce qu'on est? Oui, Wendy. On en est à... Là, on vient de lire le verset... On en est à Dieu et contre Moïse? Non. Non, on en est à... Ah, dans le désert. Dans est juste le verset jusqu'au désert. On est... Pour que nous mourions dans le désert, on a parlé d'accusations injustifiées. Donc, il faut examiner... Nous devons examiner nos paroles... pour voir s'il y a des accusations injustifiées. S'il y a des accusations injustifiées dans nos paroles, c'est que nous sommes déjà en train de murmurer. Voilà. Vous notez ça. Nous devons régulièrement ou constamment examiner nos paroles pour... Nous devons constamment examiner nos paroles pour examiner si elles contiennent des paroles, des accusations injustifiées. Nous devons constamment examiner, constamment, C-O-N-S-T-A-2-M-E-N-T. Nous devons constamment examiner, à l'infinitif, nous devons constamment examiner nos paroles pour savoir si elles contiennent des accusations injustifiées. Si elles contiennent des accusations injustifiées, ça on note pas, ça veut dire que nous sommes en train de murmurer. Pourquoi? Nous devons, on note d'abord, nous devons constamment examiner nos paroles pour savoir si elles contiennent des accusations injustifié. Et ça, la suite là, on ne note pas. S'il y a des accusations injustifiées dans nos paroles, ça veut dire que nous sommes en train de murmurer. Voilà. Nous devons constamment examiner nos paroles pour savoir si elles contiennent des accusations injustifiées. Et nous pouvons dire, c'est-à-dire des murmures. Parce que les accusations injustifiées, ce sont des murmures. C'est-à-dire des murmures. Quoi? Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup de sujets de prière. Hein. Donc, au fur et à mesure, il faut déjà commencer à... C'est bon, Wendy, tu es à la ligne. Tu as tout noté? Oui, papa. Hein? Oui, papa.
D'accord, on met point. Nous devons constamment examiner nos paroles pour savoir si elles contiennent des accusations injustifiées, c'est-à-dire des murmures. Point. Donc, on va poursuivre. D'accord? On peut beaucoup pécher avec les paroles. Hein. C'est pour ça qu'il faut parler peu. Si on parle beaucoup, la Bible nous dit que si on parle beaucoup, on pêche beaucoup. On peut beaucoup pécher parce que si nos paroles ne sont pas contrôlées, il y a des choses qui vont sortir qui ne sont pas justes devant Dieu. D'accord? Donc, il ne faut pas beaucoup parler ou parler sans réfléchir. Est-ce qu'on se comprend, Wendy? Et tout à l'heure, tu m'as demandé, tu m'as dit quelque chose que si on... Tu as dit quelque chose... que si on pêche, Dieu ne nous écoute pas. Tu veux qu'on lise le verset? Donc, on va faire une parenthèse et puis on va revenir dans Nombre. D'accord? Donc, on va aller dans Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59, c'est après le livre des psaumes. On va trouver Proverbe et puis on va voir Ésaïe un peu plus loin. Donc, Ésaïe, c'est juste avant. Donc, après les proverbes, il va y avoir les cantiques des cantiques, Ecclésias, et après, on va trouver normalement Ésaïe. Et les lamentations de Jérémie. Oui, tout ça, on passe. Et non, les Jérémie, il faut remonter. Donc, après les psaumes, tu vas trouver les proverbes, Ecclésias, cantique des cantiques, et après, tu vas trouver Ésaïe. Donc, on a dit Ésaïe, chapitre 59. C'est presque à la fin. Ésaïe, chapitre 59. On lit versets 1 à 2. Wendy. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce que tu as compris? Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Donc, quand nous péchons, c'est comme si nous mettons... Qu'est-ce qu'on met dans les oreilles là pour ne pas entendre parfois? Les bouchons. D'accord? Donc, quand nous péchons, c'est comme si nous accumulons les bouchons d'oreilles dans les oreilles de Dieu. Quand nos prières vont entrer, il y aura des bouchons. Donc, quand nous nous repentons de nos péchés, nous enlevons les bouchons des oreilles de Dieu. D'accord? Pour qu'il puisse nous écouter. Est-ce que c'est clair pour toi? T'es clair? Oui, papa. Voilà. Donc, il faut moins pécher pour que Dieu nous écoute. Quand nous péchons moins, il y a moins de bouchons dans les oreilles de Dieu quand nous parlons. Ah, parce qu'il y en a beaucoup? Ah ben, quand plus nous péchons, plus les bouchons sont épais dans ses oreilles. D'accord? Donc plus nous péchons, plus hop. Oui, hop, mais les bouchons sont gros. Et plus les bouchons sont gros dans les oreilles de quelqu'un, il n'entend pas. Moins il entend. D'accord? Donc, on va noter, puisque tu as demandé le verset, on va noter d'abord, parce qu'après on va oublier Ésaïe 59 là. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Ou tu notes d'abord et puis tu notes le verset à la fin. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Je vais continuer la suite. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Est-ce que vous voyez un peu Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2? Oui, papa. Vous voyez le cérumen qui est dans les oreilles des gens, là? C'est quoi?
si tu mets le coton-tige dans les oreilles, est-ce que vous avez vu qu'il y a de la saleté qui sort oui. parfois? Oui. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. D'accord. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Et je demandais... Je vous laisse d'abord, ok? Alors, ça vous est déjà arrivé de nettoyer vos oreilles avec le coton-tige? Oui. Il y a une saleté qui sort, le cérumen, d'accord? Oui. Donc, je prenais un exemple tout à l'heure et je disais que nos péchés, c'est comme du cérumen que nous mettons dans... Parce que si on en a beaucoup, au bout d'un moment, on n'entend plus bien. Voilà. Oui. Donc, c'est comme du cérumen. Et quand nous nous repentons de nos péchés, c'est comme celui qui a un appareil ou le coton-tige qui nettoie ses oreilles. Nettoie ses oreilles, on a l'impression de mieux entendre, d'accord, les sons. Voilà, donc on a fini avec la conséquence des péchés sur le fait que Dieu n'entende pas nos prières, ok. Donc on revient dans Nombre, on était dans Nombre chapitre 21 et au verset 5 toujours. C'est ça, hein? Donc, pourquoi vous nous aviez... Donc, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi vous nous avez fait monter? Donc, là, on a parlé des accusations injustifiées, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Après le point d'interrogation, mourir dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà. Vous voyez? Là, c'est l'exemple typique des murmures. Ils avaient faim, ils ont demandé à manger à Dieu, Dieu leur a donné la manne et maintenant, ils insultent la manne que Dieu leur a donnée. C'est ça qu'ils appellent la nourriture comment? Misérable. Ouais, ce pain misérable. Ce pain misérable est pourtant la manne que Dieu leur a donnée et ils avaient... Voilà, il s'agit de la manne Exode 16. Donc, en fait, quand on murmure, on n'apprécie plus la bénédiction de Dieu. Les fois où il nous a déjà bénis. D'accord? Donc, Dieu les avait déjà bénis avec la manne. Le fait de leur donner dans le désert, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien pour acheter la nourriture. Et Dieu a fait miraculeusement tomber la nourriture du ciel, la manne. Mais comme ils sont en train de murmurer, quand on murmure, en fait, ça nous aveugle sur les bénédictions de Dieu. Donc, on ne les voit plus. On va noter ça. Murmurer nous aveugle. Vous comprenez c'est quoi aveugler, hein? Ça veut dire empêcher de voir. Ok? Donc, murmurer nous aveugle sur les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et ça aussi, c'est un péché. Parce que nous devons, au contraire, toujours être reconnaissants des bénédictions de Dieu dans notre vie. D'accord? Donc, murmurer nous aveugle. En fait, murmurer, si on veut même faire des jeux de mots, murmurer construise des murs entre
notre regard et les bénédictions de Dieu dans notre vie. Ok? Donc, murmurer, met un mur devant nos yeux pour que nous ne voyons pas les bénédictions de Dieu. C'est une autre manière de le dire. Donc, murmurer nous aveugle sur les bénédictions de Dieu. Murmurer nous aveugle sur les bénédictions de Dieu. Exemple, nous sommes toujours dans Nombre, chapitre 21, verset 5. Les Israélites n'appréciaient plus la bénédiction de la manne dans le désert. D'accord? Exemple, les Israélites n'empêchaient plus, les Israélites n'appréciaient plus la manne. Donc, ils n'apprécient plus les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que même, c'est pour ça qu'ils sont aveuglés sur les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire, tu vois une bénédiction de Dieu, ce n'est même plus comme si c'était une bénédiction de Dieu. D'accord? Et ça, ça peut nous arriver dans beaucoup de domaines. Par exemple, quel exemple on peut prendre? Tu voudrais que maman t'achète une belle robe. Maman te dit, il faut attendre. Attends, le mois prochain ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, tu commences à murmurer. Tu commences à dire, ah, moi, on ne m'achète jamais ceci. Déjà, hein, c'est un mensonge, c'est une fausse accusation. Parce que les parents t'achètent quand même des choses. Et tu oublies que peut-être le mois d'avant, on t'a acheté déjà une belle robe. Ok? Donc, cette belle robe qu'on t'a achetée, tu ne l'apprécies plus parce que tu en veux une nouvelle. Ça, c'est des exemples qui se passent avec vous. C'est des exemples que vous pouvez vivre. D'accord? Vous êtes passé dans un magasin, vous avez vu un jouet qui vous intéresse. Tout de suite, vous oubliez tous les jouets que les parents vous ont déjà achetés. Parce que vous voulez celui-là. Et si les parents disent, non, on ne te prend pas ça, tout de suite, on se fâche et on oublie toutes les bénédictions que les parents nous ont déjà accordées. D'accord? On va commencer à se plaindre. Est-ce que vous voyez tout ce que les murmures entraînent? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Les murmures nous aveuglent, c'est ça? Oui. Les murmures nous aveuglent sur les bénédictions de Dieu dans notre vie. Donc, on a dit exemple, les Israélites n'appréciaient plus la manne, la bénédiction de la manne. D'accord? C'est ça qu'on a dit? Les Israélites n'appréciaient plus les bénédictions. Non, c'est la manne. Les Israélites n'appréciaient plus la manne de Dieu, qui est une bénédiction, hein, bien sûr. Mais il faut bien préciser, parce que là, c'est un contexte précis. Donc, les Israélites n'appréciaient plus la manne de Dieu. Voilà, la manne que Dieu leur a donnée dans le désert. On va dire ça comme ça. Les Israélites, tu as fini de noter déjà, avant de poser la question, il faut noter, sauf si tu veux poser la question sur la phrase. Sinon, on perd le fil. Donc, les Israélites n'appréciaient plus la manne que Dieu leur a donnée dans le désert. Donc, quand Dieu te donne quelque chose, c'est une bénédiction. Les Israélites n'appréciaient plus la manne que Dieu leur a donnée dans le désert. L'un des remèdes des murmures, c'est quoi? Qu'est-ce qui te conduit à te souvenir beaucoup des bénédictions de Dieu dans ta vie? Oui? Ne plus murmurer. Je veux dire, ne pas avoir le mur qui nous empêche de... D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire? Le contraire de ce que tu fais quand tu murmures, c'est quoi? Comment tu te souviens, qu'est-ce que tu fais qui te conduit à te souvenir des bénédictions de Dieu dans ta vie? Oui. La patience. Oui, la patience va t'aider. Quoi d'autre? La prière et la louange. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu es souvent conduit à faire des actions de... De grâce. C'est-à-dire, remercier Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Et souvent, quand tu vas commencer à remercier Dieu, tu vas citer ces bienfaits-là. Tu vas dire, ah Seigneur,
Merci pour le souffle de vie déjà que tu me donnes. Donc, si je n'avais pas le souffle de vie, c'est que je ne suis même pas là en train de parler. Pour commencer. Tu vas remercier Dieu pour la santé. Si tu étais dans ton lit d'hôpital, couché sur un lit malade, tu n'aurais même pas vu la belle robe que tu es en train de convoiter maintenant. Donc, c'est déjà une grâce que Dieu t'ait accordé la santé. Ok? C'est une grâce que Dieu t'ait accordé tes parents encore vivants. Il y a des enfants qui n'ont plus leurs parents, qui sont orphelins. On se souvient des Watoto, c'est des enfants qui n'ont plus de parents. Donc, c'est d'autres personnes qui les élèvent. Donc, quand tu es en train de prier, tu remercies Dieu pour tout ça. Donc, tu te souviens de ses bénédictions. Quand tu es en train de louer ou d'adorer Dieu, donc parfois tu dis des paroles qui sont inspirées, c'est-à-dire tu ne dis pas forcément les mêmes paroles que dans le chant, mais tu t'appropries des paroles du chant et tu dis des choses qui te concernent toi et ça t'apprend à citer les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un chant où on dit « compte les bienfaits de Dieu » ? Si. C'est en adorant que tu verras combien le nombre en est grand. Mais si tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu vas murmurer. Tu verras combien le nombre est petit. C'est Satan qui fera que tu vois comme si le nombre était petit. Ok? Voilà. Donc, en adorant, en priant, tu as dit en s'impatientant pas, ça nous permet de toujours avoir les bénédictions. Ça nous permet de voir toujours combien les bénédictions de Dieu sont nombreuses dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a noté avant que Wendy, tu ne parles? On a écrit que murmurer les aveugles sur les bénédictions de Dieu. Exemple, les Israélites n'appréciaient plus la manne que Dieu leur a donnée dans le désert. Au contraire, à la ligne, au contraire, prier et adorer nous. Prier et adorer Dieu nous. Au contraire, prier et adorer Dieu nous permet de nous souvenir des bienfaits, ou entre parenthèses des bénédictions, de nous souvenir des bienfaits, entre parenthèses des bénédictions. Mon Dieu, t'es bien fait, oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Voilà, infinis. Au contraire, prier et adorer Dieu nous permettent de nous souvenir de ses bienfaits, entre parenthèses, de ses bénédictions, dans nos vies et celles des autres. Point. Dans nos vies et celles des autres. Au contraire, prier et adorer nous permettent de nous souvenir des bienfaits, entre parenthèses, des bénédictions de Dieu dans nos vies et celles des autres. Point. Voilà pourquoi il faut constamment être dans l'adoration. Quand tu n'as rien à faire, pas forcément quand tu n'as rien à faire, je veux dire, au lieu de rester comme ça et de ne rien, ou bien d'écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu, enfin, qu'est-ce que je veux dire? Au lieu de perdre du temps, par exemple, à écouter ce qui n'est pas forcément en rapport avec Dieu, il faut écouter constamment la louange. Il faut écouter, être constamment en train de prier, tout ça, ça va éviter justement de murmurer et puis de s'impatienter. D'accord? Donc, au contraire, prier et adorer Dieu nous permet de nous souvenir de ses bienfaits. Et, ou entre parenthèses, de ses bénédictions dans nos vies et celles des autres. Point. Ok? Oui.
Donc, voilà, ils avaient oublié le miracle que Dieu avait fait. Nous sommes toujours dans Nombre. Nombre, chapitre 21. Nous lisons le verset 6 maintenant. Wendy, tu lis verset 6. Nombre 21, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Point. Donc, murmurer entraîne des conséquences. On écrit. Murmurer entraîne des conséquences. C'est des conséquences heureuses? Non. C'est des conséquences comment? Malheureuses. Voilà. Murmurer entraîne des conséquences malheureuses ou fâcheuses. Et vous mettez Exode 21, verset 6. Murmurer entraîne des conséquences malheureuses ou fâcheuses. Entre parenthèses, Nombre 21, verset 6. Nombre 21, verset 6. Ok? Les conséquences fâcheuses que nous pouvons avoir, par exemple, quelqu'un, tu vas te plaindre, par exemple, de ce que tu as vu la robe et maman ne te l'a pas acheté, ok? Quelque chose de simple qui peut arriver, c'est que la belle robe qu'elle t'avait achetée le mois dernier, tu la portes et puis elle s'accroche sur une porte et se déchire. Et ça, ça va t'énerver, d'accord? Parce que tu convoitais déjà une autre robe et finalement, même celle que tu l'avais déjà, que tu avais déjà, tu vas la perdre. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Ça arrive. Tu es en train de conduire ta voiture, Dieu t'a donné une voiture, et tu regardes celle de l'autre, tu dis, waouh, quelle belle voiture, si je pouvais avoir une voiture, boum, tu cognes ta propre voiture, et tu es responsable de l'accident, et voilà ta voiture qui est gâtée. Voilà, parce que tu regardais la belle voiture de l'autre, et tu disais, Seigneur, si c'est plutôt celle-là que je pouvais avoir, boum, et tu cognes la tienne, et puis te voilà, même celle que tu avais, tu ne l'as plus. Elle va partir à la casse. Ok? Oui. Tu perds celle que tu avais. Au lieu d'apprécier ta voiture, et dire, même si ma voiture est vieille, gloire à Dieu, j'ai quand même une voiture, je peux quitter et partir là-bas. Oh! Et puis je peux partir. Même si elle est vieille, elle m'amène quand même là où je veux partir. Oh, bah, tant mieux. Seigneur, gloire à toi, comme tu as béni l'autre, mais je suis content de ma voiture. Que de regarder l'autre comme ça et dire, ah, si je pouvais voulu une vieille voiture. Comment Dieu peut me donner une vieille voiture? Et puis te voilà. Te voilà qui n'a plus de voiture. Tu n'as même la vieille voiture, tu n'as plus de voiture. Et tu te retrouves à l'arrêt de bus pour prendre le bus pour partir. Tu es maintenant à pied. D'accord? Et quand tu restes là, alors maintenant tu regardes les gens qui passent dans leur voiture, tu te dis, ah Seigneur, si je pouvais encore avoir même la vieille voiture que j'avais, je ne serais pas en train d'attendre ici. Et quelqu'un passe avec une vieille voiture, il passe comme ça, il y a l'eau au bord, il fait boum, l'eau se verse sur toi. Tu te dis, Seigneur, si j'étais même dans ma vieille voiture, on ne m'aurait pas versé de l'eau. Tu vois comment, voilà les conséquences qui peuvent arriver. Et ça, c'est parti des murmures. Il était dans sa vieille voiture. Il a au moins une voiture qui l'amène et marche bien. Mais il murmure parce qu'il voit la voiture de l'autre qui est plus belle. Il dit, oh Seigneur, regarde une vieille voiture que tu me donnes comme ça. Boum! Il court, il se retrouve à pied. Il attend le bus. Il voit maintenant même la vieille voiture. Il dit, oh, moi, si je pouvais encore avoir la vieille voiture. La vieille voiture, pas boum! Elle lui verse de l'eau. Il dit, oh, c'est parce que je suis à pied. Maintenant, on me verse de l'eau.
Ouais, les conséquences. Voilà. Donc, murmurer entraîne des conséquences malheureuses ou fâcheuses. Voilà. Donc, voilà, eux ici, là, ils ont été brûlés par des serpents. Donc, on a dit nombre 21, verset 6. Voilà, nombre 21, verset 6. On revient fini dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Et puis, on va s'arrêter là. 1 Corinthiens, chapitre 10. Mm-hmm. On n'a même pas encore lu Exode 16, hein, vous voyez? La parole de Dieu, elle est riche, hein? Ouais. Très riche. Là, on est seulement au début des murmures. On va rester un bon moment sur les murmures. Ouais. Parce que nous murmurons tous beaucoup. Et ça, ça ne glorifie pas Dieu. Alors, donc, on avait dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est après Jean, Actes, Romains et Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, on a commencé à lire le verset 9. Et c'est parce qu'il nous avait parlé de la manière dont les Israélites ont tenté Dieu dans le désert. Ok? Oui. Donc, on a lu le verset 9. Raphaëlla, tu lis le verset 10 maintenant. Alors, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Voilà. Donc, la phrase ici nous montre clairement que les murmures entraînent même la mort. Ok? Vous avez vu, les murmures ici ont entraîné la mort. Donc, ils n'ont même pas pu se rattraper. OK? Donc, là où on a mis murmurer entraîne des conséquences, et on a noté nombre 21, verset 6, vous mettez virgule 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, 10 aussi. Ça montre les conséquences des murmures. OK? On t'envoie, toujours moi qui dois partir. Ça, c'est murmurer rapidement. Alors, donc, on était dans 1 Corinthiens. On a dit 1 Corinthiens 10, 10, où on voit les conséquences des murmures. Là, c'est la mort directe, ok? Bon, on a pris l'exemple de monsieur qui avait sa voiture et qui se retrouve finalement sans voiture. Ok? Voilà. Est-ce qu'on peut employer un autre exemple, s'il te plaît? Tu veux nous donner un autre exemple? Non. Oui, on peut vous donner. Oui, on peut donner un autre exemple. Hein. Regarde, tu es là. Ta maman t'a acheté une glace, par exemple, ou une sucette, disons une sucette, ok? Ta maman t'a acheté une sucette et t'as vu une sucette et t'es content. Maman, je veux la sucette. On t'achète la sucette. Pendant que tu es en train de sucer, tu vois un autre enfant qui a, je sais pas moi, une glace par exemple. Tu dis, oh, moi j'aurais voulu la glace. Tu restes comme ça, tu regardes entre temps. La sucette est en train de sécher entre tes mains. Et quand tu regardes, la sucette, elle a coulé totalement. Non seulement elle a coulé totalement, mais elle a coulé sur toi. Elle t'a coloré ton vêtement et tout ça. Et tu te retrouves avec un vêtement coloré et sans sucette. Ça, c'est un exemple direct que tu peux avoir. D'accord? Ou bien, tu as ton morceau de pain à l'école, tu es en train de manger et tu vois une copine qui mange des gâteaux, des biscuits, tu dis, oh, si je pouvais avoir ça pendant ce temps. Un camarade qui passait en courant, il t'a pas vu, il colle ta main, le morceau de pain tombe et puis c'est par terre. Te voilà, tu n'as plus rien maintenant. Tu vois? Ah bah oui, parce que tu étais en train de convoiter, tu disais, tu murmurais, tu disais, pourquoi moi, maman ne m'a pas aussi, ou papa, pourquoi mes parents ne m'ont pas donné aussi un gâteau comme goûter, d'accord? Et là maintenant, moi c'est juste un petit pain comme ça qu'on m'a donné, boum, l'autre passé, il n'a pas vu ta main, il a collé, le pain va tomber loin là-bas dans l'eau ou bien quelque chose comme ça, c'est fini. Et puis tu n'as même plus goûté, là tu n'as plus rien du tout. Tu vois, donc au lieu même d'avoir un morceau de pain que tu n'aimes pas, mais quand même tu as la nourriture, là tu n'as plus rien du tout. Ok? Vous voyez comment murmurer? Murmurer, il y a beaucoup de choses, hein, de conséquences quand on murmure. Si on examine, on va voir beaucoup de conséquences. Ok? Donc on finit, on avait dit 1 Corinthiens chapitre 10, on avait dit de 9 à combien?
9 à 12. À 12. Donc, on va finir à 12. Verset, oui. Verset 11. Voilà. C'est le verset 11 qui m'a conduit à venir lire ceci. Parce qu'on devait commencer, vous vous rappelez au début, on devait commencer par Exode 16. Et puis, je vous ai dit, allons d'abord lire 1 Corinthiens 10. Et puis, on va comprendre pourquoi on lit Exode 16. Donc, c'est le verset 11 qui nous dit pourquoi on lit Exode 16. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Voilà. Hein? Oui, ben voilà. À nous qui sommes parvenus à la fin du À la fin du siècle. Voilà. Vous avez compris? Est-ce que tu peux résumer ce que tu as compris du verset 11? Tu peux résumer ce que tu as compris du verset 11? Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont été morts non seulement parce qu'ils mouraient, mais aussi pour que ça nous serve d'exemple. D'accord. Donc, ce qui leur est arrivé doit nous servir d'exemple. Donc, en fait, c'est une manière pour Dieu de nous prévenir que si vous agissez comme eux, si vous murmurez, vous aussi, vous aurez des conséquences fâcheuses et malheureuses. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, il écrit ça pour nous prévenir et nous avertir. Voilà. Donc, eux, ils n'avaient pas de Bible pour savoir que, comme nous sommes en train de murmurer, nous aurons des conséquences fâcheuses et malheureuses, quoi que Moïse leur avait dit. Mais nous, on peut même le lire. Donc, si ça nous arrive, nous ne devons pas nous plaindre. D'accord? Parce que Dieu nous a déjà prévu. Oui. Est-ce qu'on va forcément... Je veux dire, j'ai deux questions. D'abord, est-ce que le mur là qui nous aveugle, c'est physiquement ou... C'est spirituellement. Et est-ce qu'on va forcément mourir? Non. Non, on a cité les conséquences. Le monsieur qui n'a plus de voiture, est-ce qu'il meurt? Il ne meurt plus, mais il perd quelque chose. C'est comme si sa voiture meurt. OK? Voilà, donc il perd quelque chose. Donc tu peux perdre quelque chose. Comme ça peut arriver que Dieu t'excuse, d'accord? Il ne t'entraîne pas de conséquences, mais il te permet de voir. Et la prochaine fois, comme Dieu est un papa, il te prévient d'abord plusieurs fois. Et après, une autre fois, il peut ne plus prévenir. Et puis tu vois seulement les conséquences arriver. OK? Voilà. Donc c'est ça. Par exemple, on t'envoie, Wendy, est-ce que tu peux aller me chercher une bouteille d'eau, s'il te plaît? Oh, encore moi. Pendant que tu es encore en train de dire encore moi, tu fais par là, bam, la tête te couille. Ah, maman, j'ai mal. Aïe. Encore moi, tu passes à la porte, paf, tu couilles ton épaule. Aïe, maintenant tu as mal à l'épaule. Aïe. Alors que si tu avais dit, Wendy, est-ce que tu peux aller? D'accord, tout de suite, maman. Tu te lèves, tu pars tranquillement. Tu ne devais pas te coigner l'épaule, tu ne devais pas. Voilà, par exemple, des conséquences qui peuvent arriver. Ok? Ou bien, boum, tu te cognes le pied. Le bout de l'orteil, ça commence à te faire mal. Aïe. Voilà. Ou bien, maman, Wendy, est-ce que tu peux m'apporter le pain là-bas? Ah, encore moi, pourquoi c'est pas Raphaël? Un moustique. Ou une abeille qui te pique. Voilà. Donc, ça là, ça peut arriver. OK? Donc, les conséquences peuvent être non nombreuses et différentes. OK? Donc, il faut savoir que murmurer entraîne des conséquences, voilà. Mais est-ce que d'arriver au garage, tu vas encore te cogner? Si tu pars faire et que ton cœur est mal disposé, parce qu'on est parti de là, si ton cœur est mal disposé, il peut quand même avoir des conséquences, même si tu es en train de faire. OK? Ou alors Dieu peut te reprocher, il peut te dire, tu es en train de faire, mais la manière dont tu le fais en murmurant, et ça, c'est pas bien. Okay? Mais si tu meurs et après ta maman elle regrette de t'avoir envoyé. C'est des cas extrêmes, là on parle des cas ordinaires. Alors, donc, cela leur est arrivé, ça c'est très important et c'est. Voilà, c'est là pour nous servir d'exemple. OK? Alors, verset 12, on finit là.
ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà, donc celui qui croit être debout, c'est celui qui croit qu'il ne va pas faire d'erreur, ainsi de suite. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut faire des erreurs aussi. Donc si on croit qu'on ne va pas murmurer, il faut faire attention. Parce que nous-mêmes, nous pouvons être amenés à murmurer régulièrement. C'est pour ça qu'il faut constamment examiner ses paroles. Voilà. Donc, quels sont les sujets de prière? Il y en a plusieurs. Oui, Wendy. Ne pas murmurer. Est-ce que ne pas murmurer, c'est un sujet de prière comme ça? Comment est-ce qu'on le formule? Ne pas être impatient jusqu'à murmurer. Mais est-ce que ça, c'est un sujet de prière? Quand on dit par exemple un sujet de prière que Dieu m'aide à ne pas, ainsi de suite, c'est ça le sujet de prière, c'est comme ça qu'on le formule. Oui? Que Dieu nous aide à ne pas murmurer. Oui. Qu'il aussi nous aide à... Que Dieu, il nous aide à régulièrement examiner nos paroles pour voir si elles contiennent des informations justifiées. D'accord. Ok. Donc, on va prier pour les deux sujets-là. Donc, toi, tu pries pour... Que Dieu nous aide à ne pas murmurer. D'accord, toi tu pries. Pour que Dieu puisse nous aider à examiner régulièrement nos paroles. Alors, je peux commencer? Oui, vas-y, commence. Seigneur, je te prie pour qu'on nous. Que tu nous aides à ne pas murmurer. Fais qu'on puisse bien. Pas murmurer et que tu nous aides aussi à rester dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Raphaël. Seigneur, s'il te plaît, fais que tu puisses nous aider à examiner nos paroles pour savoir si elles contiennent des accusations injustifiées. Que tu puisses nous aider à ne pas murmurer et que aussi que tu. Qu'on puisse aussi ne plus mentir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons grâce encore pour ces exhortations que tu nous donnes concernant les murmures. Nous savons que nous sommes tous concernés par ce sujet parce que nous sommes souvent tellement impatient. Nous voulons voir les choses changer et en nous impatientant, nous disons des paroles qui ne sont pas des paroles qui viennent de toi, mais des paroles qui traduisent notre impatience, Seigneur, de voir les choses aller dans le sens que nous souhaitons. Nous te prions de nous aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ne plus avoir cette mauvaise attitude, mais de te laisser agir, de faire des choses en ton temps. Seigneur Père éternel, nous t'en supplions au nom de Jésus. Père, nous t'avons prié encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te confier ces moments. Merci parce que tu les as conduits. Que tout ce que nous avons appris, que cela puisse nous servir encore au quotidien, Seigneur Père éternel. Que vraiment, Seigneur Dieu, nous puissions nous accrocher, être transformés véritablement par toi, par la puissance de ton esprit. Seigneur Dieu, que les murmures ne soient plus notre partage, même si nous sommes amenés à faire quelque chose qui nous agace un peu. Seigneur Dieu, aide-nous à les faire sans murmures. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous murmurons. Seigneur Dieu, nous savons que nous avons tant créé des bouchons épais dans tes oreilles à cause de nos murmures. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur Père éternel, et donne-nous de ne plus mettre des bouchons dans tes oreilles, Seigneur Père, mais de les enlever totalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, afin que tu écoutes nos prières, que tu les exauces pour ta seule gloire, Seigneur Dieu, et que nous puissions nous réjouir aussi en toi, que vraiment notre joie soit parfaite. Seigneur Dieu, que ces paroles-ci ne s'envolent pas de nos cœurs, comme les précédentes, et Seigneur Dieu, donne-nous de pouvoir la vivre.
Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.